J'inviterai Monsieur Éric Tremblay, qui veut discuter d'un certain communiqué de presse avec Monsieur Deschamps. Bonsoir, Monsieur Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Le mois dernier, j'ai demandé une question par rapport à un communiqué de presse. J'ai été vérifié aujourd'hui. Le communiqué de presse est toujours erroné, toujours la même chose. Monsieur Deschamps, le mois passé, m'avait dit qu'il allait vérifier le fait. Alors, je voulais juste faire un suivi par rapport au communiqué de presse erroné avec Monsieur Deschamps. Donc, M. Deschamps, sur le communiqué de presse. Pourriez-vous préciser le sujet, là, parce que honnêtement, là, j'ai eu beaucoup d'autres choses à m'occuper dans le dernier mois. Oui, vous avez fait le communiqué de presse sur Ville-la-Salle. Vous avez dit que, ben, pas vous, mais Ville-la-Salle a dit qu'il y avait une réduction de 400 millions d'un budget d'une année par rapport à un autre. J'ai d'ailleurs passé le feuillet ici le mois passé. Et moi, je suis revenu et j'ai dit, quand on regarde le bilan, quand on regarde le budget des deux années, il y a une différence de 188 000 et non 400 millions comme le communiqué de presse de Ville-la-Salle disait. Et ça, c'est publié sur Internet. D'accord. C'est certainement pas 400 millions, alors effectivement. Ah, oh, excusez, oui. Non, vous avez raison, c'est un chiffre erroné. Oui, oui. Moi, j'avais parlé il y a quelques mois de 400 000. Puis il y a déjà eu des réductions de cet ordre-là. Maintenant, dans le budget de cette année, on tourne autour de 200 000, si je me rappelle bien. Là. Peut-être que c'est 188 000. Mais vous comprendrez là, que ce qu'il faut retenir, M. Tremblay, c'est que nous travaillons au bénéfice de nos citoyens et que nous continuons continuellement d'appliquer des mesures rigoureuses dans la gestion de nos budgets. Oui. Merci. En suivi, dans le fond, c'est que je vous ai passé le communiqué que vous avez publié, que la Ville-la-Salle a publié. Je l'ai passé, tout le monde l'a eu. Je voulais juste voir s'il y avait eu une erreur et si vous l'avez corrigé. C'est la seule affaire que j'ai dit. Vous avez dit oui que vous allez le regarder, puis là, c'est comme si je n'avais rien dit. D'accord. Merci, M. Tremblay. Il n'y a pas de réponse à cette question. Aucune réponse. Mme Barbe m'indique qu'elle veut répondre. Oui, allez-y. Parfait. Merci, M. le Président. Alors, ce sujet a été traité en arrondissement. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter, mais il y a une incompréhension de la part du citoyen qui est ici au micro entre les compressions qui ont été faites au niveau de recherche de dépenses à couper, le total qu'on a réussi à couper, ça a été mentionné, et on était capable à ce moment-là de rentrer dans notre budget. Donc, il n'y a pas une dichotomie du tout dans les informations, c'est sur l'interprétation de l'information ou M. Tremblay fait erreur, mais cette question-là a été posée en arrondissement et elle a été répondue. Merci, madame. Ça fait deux ans que je n'ai pas été en arrondissement, fait qu'elle n'a pas été posée en arrondissement. D'accord. Merci, M. Tremblay.